genre de choses que je cache. Mais... Bonjour Julien. Bonjour. Bah, très heureux d'être là comme tout le monde. Et je me posais une question parce qu'on s'est enflammé terriblement sur le clip de la fièvre. Et à chaque seconde, on l'a visionné à 30 fois chaque minute, à chaque seconde, on se disait, qu'est-ce qu'il va nous cacher dans un coin encore? Et on découvrait un truc, et vous, et vous, non, c'est lui, c'est la lune, c'est le soleil, c'est la terre, on en était. Et je voudrais savoir, vous, est-ce que vous avez caché un petit truc qu'a priori, nous n'avons pas vu? Franchement. Sinon, on peut vous le dire. J'étais quand même très, très. Enfin, je le savais. Je savais que vous feriez ces recherches-là. Je savais que vous auriez attention-là sur mes clips parce que c'était aussi ce qui m'avait amusé au moment où j'ai commencé à le penser avec Brice. Et aussi ce qui m'amuse là, dans tous ceux que je suis en train de préparer et de faire, c'est aussi qu'on continue au fil du temps, au fil parfois des années, de se mettre des petits challenges, qu'il y ait quand même des choses à chercher, à trouver. Et dans ce clip-là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de petites choses dont j'avais besoin parce que c'était quand même mon retour. Donc j'avais très très peur aussi, d'abord. C'est aussi pour ça que je ne voulais pas apparaître beaucoup dans ce clip et que je voulais vraiment mettre en avant ce personnage de MapMonde, cette planète Terre qui part en errance comme ça. Et globalement, de ce que j'ai vu en tout cas, je crois que vous avez à peu près tout trouvé. J'essaie de réfléchir. Non, je ne sais pas. Sauf si vous avez une question précise sur quelque chose que vous pensez avoir vu peut-être. Mais par exemple, je dis quand le journal, j'étais absolument... faire un arrêt sur image et réussir à faire en sorte... Avant une seconde, arrière une seconde. Ouais. Une seconde. Alors, la présentatrice du JT que j'appelle Aimé, ça, c'est vrai que je me suis dit, bon voilà, c'est visible, c'est comme la plaque d'immatriculation. Je me suis dit, bon, ça, mais j'étais heureux de mettre ça, mais je me suis dit, ça peut être facile à trouver. Mais alors, l'extrait du journal où je crois que j'ai mis un bout de Barracuda et un bout de la chanson Nous. Ouais. Ça, franchement, moi, ça me faisait plaisir parce que j'ai passé quand même 2 jours à faire la maquette de ce journal. Vraiment, je vous promets que c'est vrai, mais souvent on pourrait en parler des heures aussi. Si vous voyez notre façon de travailler avec Brice, c'est de l'artisanat, mais c'est fabuleux. On est une équipe, une famille très très proche, quelques-uns, et on passe nos journées à élaborer ces choses-là, mais de façon très artisanale, quoi. Et ce journal qu'on ne voit qu'une seconde, c'était 2 jours de travail. Pour faire en sorte, on dira ce détail, mais sauf s'il y a quelque chose que vous pensez avoir vu, ça dites-moi, parce que ça m'amuse toujours aussi quand on pense avoir vu. Ce qui m'a surpris, c'est que l'œil de Serran, je l'ai pas vu la première fois, mais... Dans le supermarché? Oui, dans le supermarché. Ouais. Ça, je suis très en colère là-dessus. Une espèce de fiche rouge. Pas contre vous, hein, contre moi. Il y a une espèce de fil jaune, par un fil rouge, la fil jaune qu'on voit avec les taches de couleur. Alors, donc, avant le rhinocéros, il y a un charisme qui passe avec sa manche jaune. Et oui. Hop, j'ai vu la manche jaune. Moi, j'ai raté le rhino. Alors, vous savez que le. Ouais, après, on.